Salut les moldus! Petite vidéo de ma baguette. Enfin, vous connaissez ma baguette, hein, la dame à la licorne que j'ai fabriquée, puis que j'ai dû modifier par la suite les couleurs de Gryffondor, à mon seul désir. Hein, il lui fallait un socle, un pas de baguette, voilà, ici. Et j'avais ce morceau de bois. Alors, description de ce morceau de bois. Donc, c'est un morceau de bois que j'ai récupéré il y a un bon moment déjà. Et que j'ai brossé. Donc c'est un morceau de bois qui était impacté par la foudre. Et par la suite qui a continué. Alors il y avait des morceaux de bois ici, une branche là, une branche là. Et cette jonction qui a été impactée par la foudre a continué à se développer avec les années. Avant d'être coupée et puis bien sûr que j'ai pu récupérer. Donc moi je l'ai brossé pour enlever le noir, le cramé qu'il y avait dessus, mais le bois avait pris le côté noir aussi, hein, à l'intérieur, tout en étant résistant, donc je l'ai brossé, nettoyé, puis je l'ai mis en peinture. Donc j'avais mis en peinture de or à ce moment-là pour faire une pépite, parce que je trouvais qu'il formait une... comme si c'était une grosse pépite d'or. C'est pour ça que j'avais mis en or. Et puis bon, je me suis dit, bah, il faudra bien que je m'en serve à quelque chose, à part une pépite. Donc j'ai eu l'idée avec ma baguette de pouvoir l'incruster dedans. Donc j'ai meulé, j'ai incrusté ma baguette. Voilà. À mon seul désir, la dame à la licorne, ça correspond bien au Gryffondor. Avec la pépite en or, la pépite en bois d'or. Voilà. Voilà mon présentoir. Dommage que la couleur or, on ne peut pas la vernir pour nettoyer. Donc je pense qu'à chaque fois je suis obligé de le brosser et puis de remettre une couche d'or parce que l'or n'est pas efficace hein, pour rester bien or. Si on le vernit, bah, sa couleur or aussi flagrante, elle perd. Donc je laisserai comme ça, puis je vais mettre en peinture de temps en temps. Voilà. Mais voilà. Un arbre qui a été foudroyé, que j'ai récupéré, qui a continué à se développer. Donc ce qui donne bien les valeurs de Gryffondor. L'acharnement et puis la survie, hein, les valeurs de Gryffondor. Donc elle méritait ma baguette déjà un socle correspondant et qui a une vie de résistance comme ce morceau de bois qui a survécu à la foudre et qui a continué à se développer et qui forme une grosse une belle pépite. Voilà. Mon présentoir, la baguette, la dame à la licorne, sur son socle, en bois d'or. Qu'en pensez-vous? Un petit pouce, un commentaire. Ça fait joli. Et ça donne les valeurs de Gryffondor. Allez, les moldus!